Période de questions, Madame Palladini. Madame Martha Bond. Good evening. So, just wait a second here, bugs me here. Madame Bond? Okay. Sorry. Yes, I was here for the public consultation, and my question and the information I would like concerns 40.02. I'll deal with that one first. The second draft bylaw modifying the zoning bylaw of parking requirements in certain areas. Mm-hmm. And in two areas. This, right? And this is the brochure that was given, but is not online. And I have in the past asked for it to be online, at least after the public consultation, so that people it can be online look at the this. Usually was it tonight. Is. Okay, so well, tomorrow, after. I'm sure usually if, after it is. Usually the day after. Yeah. Well, no, actually, it's never online. Oh. I will check. Okay. So the. A public notice announcing the public consultation, that is online. Yeah. So the description says implement compensation measures regarding required minimum number of spaces. Okay. And there is some English on the first two pages. Oh. Okay. Now you're saying that. Okay. For the record. And you're correcting, and you're saying my apologies. Is that what I'm hearing? Yes. Thank you. It is only a brief description, though. Okay, perfect. And the other, and I understand there's a lot of pages here. So to a be question. Clear. It deals with multiplex projects called H3 and what is it called? There's a certain H4 community housing or something like that, H4. So as I left after the meeting, someone who had been at the meeting said, oh, the reduction of the exterior parking to remove asphalt or whatever, provide more greening of the space or so forth, will be made up by underground or interior parking. And I'm not sure that's what was stated. So I wanted a clarification on that. Yeah, Madame, can I answer? Because at the present moment, we're asking for the total parking space. Underground space, parking space, we're already asking that in the bylaw at the present moment. We're not changing that. Right, you're not adding. No. It's the number. Right, so I didn't think that was correct. The right. And so that description called implementing compensation measures, is that the certain strategies of eliminating required parking, such as shared vehicles within a project, specific needs of small vehicles and tandem parking? Is that what that means? Can I answer? Yeah, please. Sorry. Because I'm not sure. You mean that the compensation that we want to get, if it's going to be for eliminating small parking spaces? Well, no, it's two different things. Okay, it's two different things. We yes, want it to is. Add parking for smaller cars, if that's I understood right. correctly. But we also want if some so it would take away outside standard parking nope. spaces? No, not necessarily. Okay, not necessarily. That's right. Madame mm. Bond, okay. Can I a favor? If you just can limit yourself to two questions right, and I'm not a series done. Of two questions. Okay. Okay, two main questions. And if you want more details, you could always call us tomorrow. Okay. Yes. Thank you. Well, thank you. And the other one was why about the library 20.02, mm-hmm. this additional cost? Well, if you remember last month or 2 months ago, we did approve the fees of the architects.
And today it's the engineers. So it's just in the same process. That amount is being paid by La Ville Centre because it's their project in a way, although it's in PFO. So we're just doing the administrative act by voting on it tonight. Okay, so this is... But hopefully it's the last bill. And it's... But it's within the budget. It's within the budget within the and budget. So on. So it's not an additional expense. We're just, because we have to do it, approve the addition, the last bill that came in. Okay. And has any progress been made in recouping the fraudulent costs by the general contractor? It's the La Ville Centre. It's the... Are they doing anything? I don't say that City Council. I hope so. So I can answer. But I imagine. If there's fraud, I'm confident that the administration is going after it. Thank you. We'll see, I guess. Will it be announced? I... Or just by the newspaper? Probably by the papers. It's not something... We don't go out and publicize everything we do, every gesture, lawsuits, because there's many... We have 100 lawyers working for the city downtown, so I'm sure there's but a lot affects, of... But this affects, you know, the credibility of this council, of this not borough. Not necessarily, because it was not our project. We're not running the show there. It's the City of Montreal project. You have to understand the distinction. But thank you. Before you die, Madame Paladini. Oui. Right before. Miss Sonia Fernandez. Thank you. Madame Fernandez. Thank you. Next one. Je vais ressusciter Madame Caroline Hamilton. I'll be the one. I'm older. Thank you. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, merci à tous qui m'ont répondu à certaines questions. Donc, mes questions vont aller un peu plus loin que ceux qui ont été posées avant concernant la zone d'intervention spéciale. Nous, on est un groupe qui représente des gens qui n'ont jamais été inondés et qui ne sont pas dans la zone 0-20 ans ou une petite partie du terrain dans 0-20 ans. Et aussi, on ne sait pas nécessairement si la carte qu'on regarde 0-20 ans, 0-100 ans, si elle est bonne et si c'est la dernière version. Ceci étant dit... Pour justement diminuer les demandes qui sont vraiment personnalisées à votre bureau, j'avais une question concernant est-ce que ça serait possible, peut-être sur le site de la ville ou le site de l'arrondissement, de faire des groupes justement qui sont semblables, ceux qui ont été inondés par exemple juste en 2017, ceux qui n'ont jamais été inondés, puis de faire un processus séparé pour chacun qui explique les étapes que vous faites. Merci de la suggestion. Ouais. Vous savez que ce n'est pas toujours possible nécessairement, mais l'idée est peut-être à retenir. Je pense que nos collègues ici élus puis l'administration, on devra réfléchir sur la meilleure façon de communiquer avec nous. Pas seulement avec vous, mais de négocier, puis tantôt je cherchais le bon mot, là, avec l'État sur cette question-là. Exactement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, puis c'est difficile de savoir là, c'est quoi la bonne information sur Internet. Je peux poser la première question, vous demeurez où maintenant? Sur quelle Pardon? Rue? Sur quelle rue? Rue Grou. On est dans le quartier Saraguay, rue Grou, Amabé. OK. Ça, c'était de la curiosité. Oui, oui. Pas, ça change c'est correct, rien, mais nous, on n'a jamais été inondés. Ouais, OK. On va retenir la suggestion. Il va falloir trouver une façon. On a quand même Mme Paladini, qui est notre gourou de communication dans l'arrondissement. Alors, certainement qu'elle va nous proposer des idées, des suggestions meilleures les unes que les autres. Parce que tantôt, M. Benoît Langevin, il nous a répondu quasiment individuellement, puis il a pris son temps. Je sais que ça prend énormément de votre temps. Puis je suis très, très conscient des ressources qui sont limitées chez vous. Puis je pense que ce serait une façon qui serait efficace et efficiente là, et je le dis, procéder. La communication va être le nerf de la guerre. Vos courriels, vous dites on s'occupe de vous, mais c'est une façon de s'occuper de nous en groupe sans nécessairement prendre beaucoup de votre temps. On ne peut pas faire beaucoup de petits groupes non plus. Quand même, c'est des groupes quand même importants, je pense. Gérable. Oui, exactement. Il faut pas que ça devienne ingérable. C'est pour ça qu'on veut éviter d'appeler individuellement. On va trouver quelque chose. Okay? Je n'ai pas entendu. Non, il m'a fait une proposition qui est intéressante. Mais c'en est une parmi tant d'autres. OK, je vous la laisse entre vos mains, j'ai confiance en vous. On va trouver quelque chose. Là, comme on dit, on va essayer de s'organiser, parce que là, les demandes rentrent de partout. Pas les demandes, mais l'information rentre de partout, au moins de la consolider. Exactement. De voir peut-être la
divisé aussi, parce que ce n'est pas toute la même affaire dans c'est le tas. C'est ça. Alors, on va regarder. On ne veut pas être traité de la même façon que ceux qui ont été inondés. On veut être vraiment traité. De rôle, toutes sortes comme de, notre groupe, parce qu'il y en mesures. A plusieurs dans différents secteurs Absolument. De Pierrefonds. On n'est pas Absolument. Les seuls. Puis dans d'autres arrondissements aussi, dans d'autres villes. Et donc, vous êtes d'accord avec nous là-dessus? Oui, qu'il faut tout parler. À fait. Puis de la même façon, peut-être parler avec nos voisins. En ces quartiers villes, il y a d'autres places aussi là, qui ont été touchées. Exactement. Beaconsfield, etc. Puis nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des listes? On va vous trouver des devoirs. Oui. Inquiétez-vous pas, on n'est pas rendu là. Mais divulguez-les à quelque part, qu'on ait l'information. Parce que juste dans la presse, un petit coin, ce n'est pas tout le monde qui lit la presse. Ou la gazette. La gazette, ou peu importe. C'est difficile d'avoir l'information. Merci, parce qu'on va s'en aller vers ça. OK, c'est bon. On va trouver quelque chose, mais c'est ça. Et puis, ma deuxième question, quand vous avez eu les discussions vendredi passé, là, je ne sais pas si c'est vous, Mme Castonguay, qui pourrait répondre. C'était le maire et Mme Castonguay, oui, et les maires des villes autour de Pierrefonds. Oiseville. Et d'autres arrondissements, je pense. Mm. Est-ce Alors, est-ce qu'ils ont parlé, est-ce qu'ils ont discuté de la façon de refaire les nouvelles cartes, les prochaines versions? Est-ce qu'il y a des façons de faire qui vont être beaucoup plus rigoureuses? Puis, ont-ils discuté de la façon qu'ils étaient pour faire? Ils n'ont pas parlé de la façon qu'ils étaient pour le faire. Ils ont juste dit qu'il y avait un finance, qu'il y avait le fédéral et eux avaient mis des sous sur la table pour refaire des nouvelles cartes. Mais de quelle façon, là, scientifiquement, qu'ils allaient les faire, ça n'a pas été mentionné. OK. On n'a pas été jusque Une autre suggestion, si jamais vous prenez la suggestion de mettre des informations sur le site, ça serait bien au fur et à mesure que vous ayez de l'information, que vous la divulguiez, oui. ça serait bien apprécié de parler sur l'instant. Parce qu'on a parlé, mais okay. comment? Non. Alors, comme on s'est dit, on va commencer par colliger tout ce qu'on a, puis après ça, on va reclasser. J'ai juste une petite question, parce que je représente un groupe, il y a des gens dans ma rue qui ne pouvaient pas se déplacer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas la presse, qui sont malades, qui sont handicapés, qui parlent ni anglais ni français. Comment ces gens-là vont être pris en charge? Très bonne question, parce qu'on se pose la même question, okay. parce qu'il y a des gens qui ne nous ont pas encore contactés. Exactement. Okay? Et puis, on sait qu'il y en a. Alors, on ne peut pas assumer que tout le monde est dans le non, tas pour le moment. Le parce que, puis ça, j'en ai eu aujourd'hui. Alors, tu sais, ça continue de rentrer. Là. C'est pas... puis j'imagine que c'est la même chose avec mes collègues, mais on va suivre le dossier. Évidemment, ça ne va jamais assez vite, ça je suis d'accord. Mm. Vous aimeriez que ben, ça faites votre possible, là, on voit mais bien. On va au moins s'assurer que les décisions qui sortent de là soient favorables, merci. Pas trop contraignantes. Merci de l'idée. Benoît, Monsieur Langevin, pardon. Je veux juste rajouter encore une fois qu'on a plein de stratégies pour rejoindre les citoyens. C'est sûr qu'on ne peut pas rejoindre les 70 000 citoyens de l'arrondissement à Pierrefonds. Il y a, comme M. Gignac disait, le territoire est immense, 258 km de rue. Pour qu'un élu puisse capable de rentrer individuellement en contact avec chacun des citoyens, extrêmement difficile. Mais on a réfléchi à notre affaire. On a, quand il arrive des situations d'urgence, on a des systèmes d'appels téléphoniques pour justement informer les gens d'une nouvelle politique ou d'une nouvelle réalité. Je regarde Mme Palladini, mais toute son équipe au niveau Facebook, on est ailleurs comparé même, je dirais, à la dernière année. Je veux dire, même au niveau des inondations, on était dans du live quasiment, un arrondissement, une municipalité qui est dans le live, ça se peut pas. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire que tous les moyens sont déployés pour rentrer en contact avec chacun des citoyens. Mais il faut vraiment que ça soit aussi un effort du citoyen. Ça ne peut pas juste être la municipalité qui fait toutes les démarches. Encore une fois, je mets de la publicité des samedis de citoyens. Des fois, je trouve qu'on n'a pas assez de monde. Il faudrait que vous veniez nous voir. Bien, des fois, c'est impossible de venir en personne. Alors c'est que sûr. Si c'est sur Internet, on peut aller chercher l'information. Courriel, t'en es disponible. Si c'est à 3 heures du matin, ben, on peut aller sur courriel, le site d'Internet. Je veux dire, Mais vous avez raison. Maintenant, ce serait intéressant là, aussi de rejoindre pas juste l'arrondissement, mais si vous avez des voisins qui n'ont pas les, la ben, capacité. Moi, je vais y aller, mais en même temps, mais je peux ça, pas c'est faire tartonné, le travail c'est à tout tartonné. Le monde. Non, mais je ne vous j'ai demande pas de faire ça. J'ai pas les nécessairement. Vous êtes bénévole ou pas? Là, exactement. Mais on va dire, mais si chacun en faisait un comme petit peu, si ça va nous aider. Si vous pourriez mettre déjà en partant la carte à jour des 0-20 ans, 0-100 ans, parce que le document qu'on a, c'est vraiment pas clair. Quand on l'agrandit, on ne sait même pas notre maison est où, là. C'est vraiment pas clair, cette carte-là. Fait qu'on ne sait même pas si on est là-dedans. Merci. Est-ce que Madame Perrin... Avec votre permission, Monsieur le maire, Madame, je peux vous dire que dans un cas, il y a des cas où on peut obtenir une procuration. Donc, une voisine qui ne peut pas, qui est à l'extérieur du pays, par une procuration, avec une photocopie de son permis de conduire ou d'un document, avec une photocopie d'une adresse, de quelque chose qui lui est adressé, et avec son adresse, évidemment, on peut venir à l'arrondissement et avec cette procuration,
faire l'enregistrement de les trois raisons qui sont toujours, là, on les répète pour que ça soit bien clair, que le bâtiment ne soit pas bâti dans la zone 0-20 ans d'inondation, qu'il n'y ait pas eu d'eau dans le bâtiment, ni en 2017, ni en 2019. Si toutefois il y avait d'autres raisons, bien, les faire, et le triage sera fait par la suite. Mais l'important, c'est d'enregistrer la demande. Donc, c'est bon? Si je comprends ce que vous dites, si dans mon terrain, j'ai une petite partie qui est 0-20 ans, mais qui n'est pas où est-ce que le bâtiment est, c'est correct. Voilà. On peut se faire retirer, on pourrait se faire retirer de la liste. C'est le bâtiment. Okay. C'est le bâtiment Parfait. Qui ne doit pas être dans la zone 0-20 ans d'inondation. Merci de la clarification. Et merci beaucoup pour votre commentaire. Il illustre clairement le besoin d'une meilleure communication. Merci. Et ça, on va retenir ça. Merci. Juste une précision, pour les gens qui cherchent leur maison, en haut à gauche, ils peuvent rentrer leur adresse et il y a un pointeur qui va amener la carte directement sur leur résidence. Sur le site web. Puis merci. On voit tout de suite si on est dans la zone ou pas. Parfait. Alors, ça serait intéressant de le souligner à Mme Mawson parce qu'elle va recevoir des appels, j'imagine, demain. Je le ferai sans faute. OK, s'il vous plaît. Madame Lynn Castonguay. And that's important. Did everybody understood that last comment? That once you go on the website of the city and you click your address, there will be something pointing at the map. If Joanne, if you went on the map. You go on the map, the government's map, with all the mauve, là, le violet along the... And you enter your address. I tried it with my house. You put in your address, and it brings you directly to your house. Like this lady was saying, I'm looking to see if my house is here. Just put the address, and it's going to bring it directly to the house. Perfect. La carte du gouvernement. La ville n'a pas fait de carte. On n'a pas de carte, nous. La carte du gouvernement qu'on a mis... Oui. Oui. Et vous rentrez dans la carte. So that's why it was important to repeat it in two official languages. Oui, tout de suite, immédiatement. Excusez, monsieur, on ne peut pas faire les débats. Là. Merci. Mais je m'en excuse. Madame Palladini. Au micro, elle attend. Ah, excusez, je pensais que vous parliez de l'autre, Mme Castonguay. Excusez-moi. Bonjour, Mme Castonguay. Excusez-moi. Coup de Castonguay. Bonsoir, merci beaucoup pour les informations. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus sécurisée par rapport à notre situation qui n'est pas facile nécessairement à vivre, là, avec des cartes qui ont été émises, qu'on considère qui ne reflètent pas la réalité. Et puis, il y a plusieurs personnes. Moi, je suis sur la rue Gagné. Il y a la rue Grou qui est concerné, la rue Saragui aussi, ouest, où effectivement, n'a pas été inondé 2017-2019. Et par contre, ce qui est un petit peu plus ambigu pour moi, c'est que moi, je fais mes devoirs, j'ai été vraiment dans les documents de la ville, puis on voit aussi le portrait des inondations 2017, et on indique aussi des zones de 20 ans, 100 ans. Est-ce qu'il y a moyen que vous nous donniez ce soir l'information, à savoir où est-ce qu'on peut aller chercher cette information-là, le 0-20 ans et 100 ans, de façon un peu plus précise? Parce que ce qu'on a mentionné tout à l'heure, quand vous mentionnez que vous mettez l'adresse, c'est par rapport à la carte que le gouvernement du Québec a fait, qu'on considère qui n'est pas adéquate, qui n'est pas la réalité. Maintenant, on voudrait savoir... Parce que pour moi, j'ai fait la démarche, effectivement, que je ne suis pas concernée dans cette zone-là. Mais j'aimerais avoir la preuve ultime, vraiment, de savoir, et puis pour les gens aussi, les citoyens qui sont dans le même contexte que moi, pour le 20 ans et le 100 ans. Pour obtenir les zones inondables, en fait, c'est votre certificat de localisation qui va l'indiquer. Il y a certaines villes où ils ont les zones et que c'est bien indiqué sur certaines cartes. Nous, à Pierrefonds-Roxboro, c'est des cotes qu'on a ici, en général, pour une grande partie du territoire.
Donc, les gens doivent, par le biais du certificat, mais l'arpentant géomètre, en fait, par le certificat de localisation, doit les indiquer sur votre certificat. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut l'avoir le plus précis possible. OK. Ben, je ne veux pas trop parler de mon cas, mais moi, je me suis informée et ce n'est plus la même firme d'arpenteurs. En fait, c'est des arpenteurs qui ont acheté les arpenteurs à l'époque que moi, j'ai acheté. J'ai fait un certificat de localisation parce que j'ai acheté, donc ça fait trop longtemps. Ça fait 22 ans. Alors, comment on peut retrouver un certificat de localisation, soi-disant, ils n'ont pas, parce que c'est une nouvelle firme qui a acheté. Mais quand vous avez acheté, vous aviez un certificat de localisation? Parce qu'en en principe, ben, depuis 1985, ça doit être indiqué. Sur les certificats de localisation, les arpenteurs géomètres sont obligés de le faire. OK. Bon, dans mon cas, c'est un peu particulier. J'ai acheté un bout de terrain. Il faudrait que je vérifie. Okay. Mais ma question est si l'arpenteur n'a plus le plan, est-ce qu'il y a un ordre des arpenteurs qui fait en sorte qu'on peut retrouver le certificat? J'avoue sûrement, là, parce que les arpenteurs, ils doivent l'indiquer. Oui, mm-hmm. C'est ça. OK. Deuxième question par rapport à ça. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes ici qu'on a fait les démarches que vous avez mentionnées, donc on a donné notre nom, adresse et tout ça, maintenant, on voudrait avoir peut-être, c'est possible d'avoir plus de précisions parce que le 19 août arrive rapidement et on se dit, bon, on a compris que la semaine prochaine, disons, les adresses vont être envoyées. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme processus? Parce que nous, on veut avoir, on veut s'assurer que ça ne tombe pas entre deux chaises. Donc, on voit que vous êtes proactif. Puis nous, on l'est aussi de notre côté. On veut travailler ensemble. Donc, à savoir, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, avoir un suivi, comme on disait tout à l'heure, que ce soit Internet ou carrément ceux qui ont fait la démarche, d'avoir ce suivi-là. Voici, on est rendu là, puis c'est ça qui arrive pour la prochaine étape. Par exemple, un accusé réception, et ensuite qu'on dit que votre adresse a été transmise au gouvernement. C'est sûr qu'une fois que c'est transmis au gouvernement, là, c'est plus nous qui avons la possibilité de dire c'est retiré de la zone d'intervention spéciale, puis on n'a pas toujours de leur part non plus les raisons pourquoi ils disent oui, pourquoi ils disent non. Mais on peut certainement faire ce genre de démarche-là avec tous les gens aussi qu'on a sur la liste. Ouais, ben, je vous inviterai à le faire, donc de leur demander vraiment que les citoyens le demandent. Il y a vraiment des gens qui sont mobilisés pour… On va avoir le suivi de leur part. Donc, avoir des numéros de dossier qui disent, bon, voici, vous êtes le numéro de dossier X et voici qu'est-ce qui se passe avec vous. Des numéros de dossier? Non, non, OK, oui, au niveau du gouvernement, non. Ça, je ne crois pas qu'on va l'avoir, mais nous, à notre niveau, il y a des demandes qu'on appelle des GDC, des demandes pour les citoyens. Oui. Puis, il y a un numéro qui est rattaché à ça. On peut le demander. Oui. Donc, c'est peut-être Sophie Moussens ou… Je pense que quand vous faites la démarche ici de venir à l'arrondissement, on vous donne un reçu, on vous donne un récépissé. Il y en a qui l'ont eu, il y en a d'autres qui l'ont pas eu. Alors, si vous ne l'avez pas eu, je vous recommande de venir le chercher. Mais c'est ce que je disais tantôt. Ça dépend, ça arrive. Je pense que c'était au moment où on est venu. À un moment donné, il y a peut-être eu un processus. Il y a des gens qui l'ont eu. Moi, je suis venue avant, puis je ne l'ai pas eu. OK, mais de toute façon, on va reprendre la liste puis informer les gens. Ça serait parfait. Merci beaucoup. Monsieur Langevin, vous avez un commentaire? Juste clarifier qu'on ne sera pas capable, nous, avec ce numéro-là, de dire où est-ce qu'il y en est avec votre dossier. Est-ce que ça va être exclu, inclus dans la zone? Non. Nous, on ne sera pas capable de dire ça avec ce numéro-là. Ce numéro-là, c'est juste pour vous dire si votre demande a bel et bien été enregistrée et envoyée au gouvernement, juste pour le clarifier. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Madame Marlène Caron. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Suppléant. Donc, on a vu deux versions de la carte des zones d'intervention spéciale. Entre la première version et la deuxième version, moi, je suis dans le secteur de Saragué avec mes concitoyens, on a vu disparaître certaines maisons dans la carte. Nous, on aimerait ça savoir comment eux ont réussi à se faire retirer de ces zones-là
et d'autres citoyens n'ont pas réussi? Quelle démarche ils ont eue? Parce que ça ressemble à un petit abstract. Moi, je ne suis pas certain que ça soit aussi, penser comme ça. Je pense que ça a été, autant pour la première ou la deuxième version, un peu d'improvisation. C'est ce qui me semble sortir, là. Alors, ni une ni l'autre, tant qu'à moi, vaut la peine d'être retenue. OK? Je vais aller jusque-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va s'organiser pour qu'il y ait quelque chose de sérieux qui se fasse, parce que pour ce qu'on croit, là, pour le moment, ça n'a pas d'allure. Oui, parce que l'impression... Alors, mais il n'y a pas de jeu là, politique ou de gens qui ont réussi, c'est de même, tu sais, je veux dire... Oui, parce que le constat qu'on fait, visuellement, c'est qu'il y a eu un découpage de dentelle qui s'est fait entre la première et la deuxième version, notamment sur le bord de l'eau, sur la rue Saraguay. Ça laisse une drôle d'impression aux citoyens qui sont derrière, en retrait de la rivière, mais qui sont, eux, pas sur la première ligne, ni sur la deuxième, mais la troisième puis la quatrième ligne, qui sont intégrés dans cette zone. Ouais. Ils n'ont jamais été touchés par l'eau. Puis il y a des résidences qui ont été inondées, qu'on l'a vécu là, qui ne sont pas dans la zone inondable. Oui. Mais il y a des correctifs à apporter. Vous le confirmez. Oui, oui. Vous nous le confirmez. Voilà. C'est l'aberration. J'ai un de mes garçons, moi, le plus vieux, qui est touché par ça. Pas à Pierrefonds, mais immédiatement au sud, à Pointe-Claire. La même chose. Exactement. Ouais. Donc, alors, il était sur la liste au départ, puis il n'était pas sa deuxième. Il est sur le bord de l'eau. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Ça peut vous aider, madame. Il y a une rue à Pierrefonds dans la partie ouest qui est à 5 rues du boulevard Gouin. Puis, je crois, sauf erreur, je vous dis ça sous toute réserve, qui n'était pas dans la première version et qui est apparu dans la deuxième. À 5 rues du bord de l'eau. Alors, il faut être effectivement très vigilant. Vous avez été vigilante et on vous en remercie d'être ici ce soir. Mais il y a des points qui sont à vérifier et on ne peut pas encore vous donner réponse. C'est ce qu'on entend ce soir. Mm. Par contre, d'ici le 19 août, les gens qui connaissent des gens doivent se faire des petits missionnaires et d'aviser les gens qu'ils connaissent, de vérifier et s'ils ne peuvent pas, les aider à vérifier. Dans un cas de ce point-là, un voisin est parti et a fait le tour de ses voisins. Mais nous, on s'est organisé. Et c'est ce que vous faites et on vous en remercie, madame. Oui, ouais, on aura une pétition qui ira au bureau de M. Letao à cet effet et aussi. Et nous allons, de notre côté, faire utiliser ces informations-là là, pour mieux... Il y a quelqu'un tantôt qui a dit... Madame Castonguay avait utilisé un mot... de ne pas s'organiser, là, je l'avais aimé. On se mobilise. Mobiliser, c'est ce que j'ai aimé. Merci, vous l'avez retenu. Monsieur Langevin, c'est une bonne longueur sur la mobilisation citoyenne. Merci. Merci, au revoir. Merci. Madame Christiane Dagba. Bonjour. Bonjour. Mais pour continuer avec ce qu'elle a dit, est-ce que vous avez demandé à la ville... Pourquoi ou comment, qu'est-ce qu'ils ont fait entre les deux cartes? Comme à la ville ou à la ville, de Montréal ou vous, quand vous êtes allé vendredi, est-ce qu'ils ont expliqué un peu comment ils sont arrivés de la première carte à la deuxième carte? Madame, je voudrais juste vous corriger. Oui. C'est une carte du gouvernement du Québec. Du Québec. Et non pas Québec. De la ville de Montréal, être Québec. Certain. Excusez-moi. Est-ce que et vous êtes sur quelle rue, juste par moi, je suis sur la rue Lalande. J'ai une propriété sur la rue Lalande. Et elle n'est pas ni dans la zone 020. Et j'aimerais savoir, plusieurs personnes ont posé la même question. La zone 020, c'est de quelle carte on parle? De la carte que j'ai, de mon certificat de localisation? Votre certificat de localisation. Mmh. OK. Alors, moi, je ne suis pas dans cette zone du tout. Ni le bâtiment, ni le terrain, ni rien. Mais est-ce qu'elle apparaît sur la carte que le gouvernement a dit? Oui, ça, là, c'est une autre chose que j'allais demander. Ma propriété, et je ne peux pas identifier si c'est le bâtiment ou c'est le terrain, il est juste sur le bord. Et la fonction Zoom ne fonctionne pas.
J'essaie de zoomer pour savoir si c'est le bâtiment, est-ce que c'est le terrain, est-ce que c'est le bord du terrain. Rien, ça ne fonctionne pas. Non, je ne peux pas vous aider. Mais c'est ça, je ne sais pas, comme tout, Amélie. Vous avez reçu la carte de Mme Mawson ce soir? Sophie Mawson, elle a remis des cartes à tout le monde. Oui, j'ai son. Okay. J'ai sa carte. Alors peut-être la contacter demain, puis de voir avec elle, de vérifier si votre propriété. Comme ça, elle pourra peut-être le regarder pour vous faciliter la vie. La chose qui est revenue plusieurs fois, et peut-être vous allez me répondre, c'est le manque de communication qu'on sent entre la ville de Pierrefonds et la ville de Québec. Comme eux, ils lancent des cartes, ils lancent des idées. Et nous, on s'inquiète, on sait que vous travaillez avec nous. Mais on s'inquiète tellement de voir que eux, il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui a dit que le gouvernement du Québec dit à long terme, nos propriétés, s'ils sont même dans les IS, ne vont pas être affectées ou ils ne vont pas être dévalués. Mm-hmm. Comment ils ont jugé ça? C'est très clair que notre propriété va être dévaluée. Et est-ce qu'il dit ça pour qu'on continue à payer les taux de taxes exorbitants sur des terrains et des valeurs de propriétés qui vont être en chute libre? Ça, c'est des questions qui tournent dans les têtes de tout le monde. Absolument. Est-ce qu'on va l'adresser? Est-ce qu'on va être capable de poser ces questions à quelqu'un? Bien, il y a beaucoup de questions, puis des fois, les réponses sont peuvent paraître évidentes. Oui, je ne m'attends pas des réponses maintenant. Okay. Mais on se demande, est-ce qu'il y aura un moment où toutes ces questions vont être posées et faire réaliser au gouvernement que c'est notre vie, notre... Le gouvernement, j'imagine et j'espère, on espère tous. Okay. Maintenant, dans sa démarche, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à corriger. Et c'est ça qu'on va essayer de faire là, dans les prochaines semaines. Et de s'organiser, de se mobiliser pour mieux défendre le dossier. Parce que pour le moment, là, on est un petit groupe. Nous, on sent que la ville de Pierrefonds, l'arrondissement de Pierrefonds, valorise ses citoyens. Absolument. Et on va les défendre. Pour le gouvernement de Québec, on sent qu'on est des chiffres, on paye et c'est tout. C'est tout ce qui nous attend de nous. Vous avez peut-être raison là-dessus, là, mais je ne veux pas commenter. Mais ce qui est important, c'est ce que nous allons faire collectivement dans ce dossier-là. Mais c'est ça. Et comme je vous ai dit, il y a les étapes. Il y a une première étape. Il y a eu une rencontre vendredi où déjà, on voit des changements, mais pas ceux ou assez rapides, mais on y arrive. Et si, de manière, si on est capable collectivement d'élever la voix, on risque de voir davantage, d'être mieux. Alors, c'est, comme je vous dis, en même temps, donnez-nous une chance parce qu'on reçoit ces choses-là. Okay. Monsieur Langevin, vous avez des commentaires? Peut-être ajouter que notre maire a fait, je pense, il n'y a pas une stratégie de lobbying ou d'essayer de mobiliser le gouvernement Legault à être sensible à la situation de Pierrefonds-Roxboro. Je vais donner l'exemple de ses interventions à la dernière consultation publique à Pointe-Claire. Clairement, il s'est adressé, il a posé des questions à l'aspect administratif. On a eu quelques réponses. Il y a une lettre qui a été envoyée à M. Legault sur des mesures de mitigation qui pouvaient être faites sur le territoire. Il n'y a pas un effort de collaboration, d'échange qui est mis de côté pour trouver une solution, trouver des alternatives à la situation actuelle, vos inquiétudes en lien surtout avec la valeur de vos propriétés. Il n'y a pas une stratégie qui n'est pas déployée en ce moment. Je peux vous l'assurer, je le vois, on le fait, on est là. On va y arriver. OK, merci. Merci, Mme Dagba. Mr. Jason Potvin. Madame Pamela Martinez. Ici. Yes. On y arrive. Et la dernière personne, Monsieur Éric Côté. Ah, il est là.
Vous avez eu des réponses? Mais pour cela, on va répondre différemment. Ben, c'est ça. La question principale étant la valeur des propriétés, comment, c'est quoi les stratégies qui ont été, vont être mises en place pour communiquer les choses, ces questions-là? Je comprends qu'il est trop tôt dans le processus. On ne sait même pas quelle zone est la zone définie. Vous faites référence à M. Langevin que M. le maire a fourni certaines questions. Mais c'est quoi ces questions-là? C'est très informatif d'écouter les questions des autres, mais j'aimerais écouter les questions, savoir les questions et les réponses du maire qui a adressé à cette réunion-là. C'était un ensemble de maires, c'était pas une rencontre individuelle. Oui, effectivement, mais plus précisément, toutes ces questions-là plus précises sur les impacts et autres, à mon avis, n'ont pas fait l'objet du débat. Ce qui était important, cette rencontre-là, c'était la carte, les limites, les erreurs qui ont été faites, qui ont été commises, qui doivent être corrigées, et la façon de gérer le dossier. Le gouvernement a dit, quand la ville, Montréal, occupez-vous de ça. Pas occupé, là. Hein, je veux dire, alors, il y a eu ce débat à corriger déjà dans les premières étapes. Nous, de notre côté, on se prépare, on collige l'information, on la centralise, on va avoir le portrait clair, on va voir, puis là, on va le débattre. Là, on va commencer. Qu'est-ce que vous envisagez? Là, il va y avoir une troisième refonte de la carte. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième qui est prévue. Qu'est-ce que vous envisagez comme moyen de nous communiquer ces informations-là? Ça a été discuté tantôt, si vous l'avez entendu. Ça, il faut qu'on ait des outils de communication. Puis Mme Paladini, notre grande responsable ici. Après Bill Gates, il y a Mme Paladini. Mais est-ce que ça serait envisageable une réunion spéciale pour ce sujet-là seulement? Parce que je comprends que vous avez beaucoup d'autres choses dans une ville, là, puis on apprécie. Ça en est une belle solution, ça. Une belle proposition. Pas solution, mais une proposition, parce qu'on en fait, on répond à des questions, puis on répond souvent. C'est ça. Si d'un côté, ça va nous aider. Moi, de mon côté, j'apprécie, je ne sais pas les autres, mais moi, j'apprécierais énormément s'il y avait un thème que ça serait le A to Z de l'inondation. Et où est-ce qu'on en est rendu? Ça en est une bonne sujet. Écoutez, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Puis je vais vous dire, je l'aime. Parce que les outils de communication par le journal, par Facebook, c'est pas tout le monde qui est là-dessus. Hein? Effectivement. Alors, déjà là, on perd une partie de notre population qui n'aura pas l'information. Mais si tu peux utiliser une séance spéciale, un samedi, une soirée ou quoi que ce soit, strictement sur ce sujet-là, sur notre façon, nous, pas pour le problème de tous, nous, à Pierrefonds-Roxboro, comment entendons-nous sortir de là gagnant? Ou pas trop perdant. Je vous remercie beaucoup. Je vais terminer en dire merci beaucoup pour l'intervention de 2019 versus 2017. Mm. Je trouve que c'était beaucoup mieux organisé. Alors, de notre côté, ça a beaucoup mieux été. Disons que 2019-2017, j'y étais. J'ai le privilège de j'avais 30 ans quand j'ai commencé, puis regardez ce que ça a fait, 2017. Et sur ça, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine? Parce que, je veux dire, c'est ça que je veux savoir. On s'est préparé d'avance. On s'est préparé longtemps d'avance, puis on va probablement se préparer longtemps d'avance. D'accord. Okay. Pour le moment, c'est ça. Les mesures permanentes devraient suivre à un moment donné, mais on parle d'investissement majeur. 28 kilomètres de rives, puis il n'y a pas juste les rives, là, il y a d'autres problématiques. Okay. On parle d'investissement massif. Sur les rives concernées, ça va être le processus de consultation? S'il y a une digue permanente, est-ce que les citoyens vont avoir un mot à dire sur l'apparence de cette digue-là, ou etc.? Moi, je sais qu'il y avait des projets, par exemple, pour le boulevard Lalande, refaire tout le boulevard. Et c'est là, moi, je me souviendrai, c'était avant l'élection, j'y étais, Mme Talbot y était, et la sécurité civile, à l'époque, nous avait suggéré d'augmenter d'un pied la hauteur du boulevard Lalande. Pas compliqué, ça? Parce qu'il y avait des risques d'inondation, et les gens de la rue Lalande s'était pointé ici au conseil, s'y opposant. Toute la gang. Et moi, je me souviens d'un commentaire que j'ai fait. J'ai dit, tant qu'on n'aura pas de problème, c'est correct. Mais ça dépend comment il est fait. C'est ça le problème. S'ils vont refaire des trottoirs puis tout défaire l'apparence campagne du boulevard, c'est peut-être ça les objections, et non pas juste de remonter. Bien, c'était à un moment donné, c'était juste de remonter à la rue. Puis la problématique, c'était pas l'apparence. Parce que la rive, c'est de responsabilité fédérale, tu ne peux pas y toucher. Alors, si tu laisses pousser ce qu'il y a là, c'est pas compliqué, là.
Parce que je me, c'est ça. Parce que le grand soupir, je ne voulais pas me tromper. Mais en théorie, c'était ça. Mais la sécurité civile, tu remontes d'un... Et là, les citoyens disent, wow, 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 mon écoulement, etc. Là, j'avais dit, s'il y a une inondation, là, c'est plus le problème. Hein? Alors, il faut penser un peu plus d'avance. Parce que l'ère des changements climatiques, je ne sais pas ce qui va arriver l'an prochain. Je vous remercie bien. Beaucoup de votre temps. Mais j'apprécie l'idée du meeting. Ça, c'est ça, si je peux ajouter, monsieur, ça a été demandé, moi, dans l'Ouest, des rencontres peut-être spécifiques à certaines régions. Par exemple, des gens pour être bien sûr d'atteindre chacune des entités. Ce que je peux vous dire aussi, puis ça, c'est tout à l'honneur des citoyens. En 2018, et puis des services, j'avais distribué un dépliant qui avait été fait « Que faire en cas d'inondation? » Je ne sais pas si vous l'avez gardé, mais avec des petites bottes jaunes, et c'était un dépliant et un petit livret qui a été distribué. Et croyez-moi, non seulement nos services, le conseil, le maire, tout le travail qui a été fait, mais aussi les citoyens qui se sont mis aussi à beaucoup travailler avec nous. Alors, ça a vraiment été remarquable, cet effort de tous. Alors, puis en 2018, les gens ont déjà été ameutés par cette possibilité qui arriverait. On ne voulait pas être prophète de malheur quand même, mais ça a été quelque chose où les citoyens se sont bien débrouillés. Et ils ont tout, c'est tout à votre honneur. Et je vous en remercie d'avoir collaboré avec nous. Là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Écoutez, avant de terminer, simplement conclure puis dire que j'ai apprécié énormément toutes les suggestions qui ont été proposées ce soir. Toutes les questions avaient quand même un message et des idées qui ont été proposées vont nous aider à vous aider. Alors, merci. Et là-dessus, il n'y a plus de questions? Non, alors, c'est terminé. Vais proposer la levée de la rencontre. J'appuie. Ah, c'est moi qui l'ai proposé? Okay. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est parce que je la disais. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. D'habitude, ça me prend un proposeur. Je l'ai dit. Merci. Très bien.